En termes de confrères, nous, dans Radio Caraïbes, Jean-Marie Gabriel chantait matin mercredi à la Pâque du Souvenir en présence de plusieurs centaines de monde parmi eux diverses personnalités qui sortent dans différents secteurs dans la vie nationale. Là. Des féens qui se yon animateur vedette émission Matin Caraïbes, te mouri mercredi 12 novembre passé en bas en crise oppression à l'âge 54 ans. Na assistance nan te genye Maître Gérard Goug ak Madame Li, plusieurs parlementaires tant que président Sénat Simon Dussel Dera, sénateur Moïse Jean-Chol, Pierre-Franky Exius ak John Joel Joseph, député Jean-Tolbert Alexis, Danton Léger, Patrick Joseph, sous côté ministre agriculture Thomas Jacques, dirigeant politique tant que coordonnateur général OPL la Dr Sauveur Pierre Etienne, à la tête Haïti en action qui c'est tout conseiller spécial président Yuri La Tortue. Directeur général PNH la Godson Aurelius à Claude Mamouro commandement, président ANMH la et puis directrice programmation non Liliane Pierre-Paul, directeur général Radio Télé Kiskeya Marvel Dandin, mettait sous diverses personnalités dans monde artistique là qui t'ai fait déplacement pour te rendre Jean-Marie un dernier hommage, même Jacques PDG Radio Télé Caraïbes la Patrick Moussiak, toute staff station avec équipe Matin Caraïbes la. Devant assistance là qui te gagne la donne tout représentant monde qu'il tirait là tant qu'on chantait BIC plus fidèle auditeur Matin Caraïbes docteur Frinel Joseph qui t'a présenté ces mons circonstances là qui t'est basé sur fragilité l'homme sous la terre souligner la mort pas gain parti pris li ka prendre n'importe monde n'importe qui l'est. Li ra poursuivre pour le dire toute fleur qui déposée dans pied cercueil la pacifie pendant l'encourager tout le monde penser plutôt à trois petites Jean-Marie Gabriel qui t'est yo docteur Frinel Joseph dans micro Rinal Guerrier avec Mackinson Paul. Si seulement je pouvais percer le mystère du langage et parler la langue des anges et même celle de Dieu, peut-être que j'arriverais au moins à dire à vous tous ici présents ce matin combien mon âme est triste. Triste face au départ de notre ami, mon ami Gabriel. Il est tendance de dire que sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Mais ce temps, semble-t-il, ne parviendra qu'au très lointain. Des années de cela qui n'existent même pas encore, qui ne sont pas encore nés. Aucun sage sur cette terre ingrate, ne peut d'aucun cas, ne peut également d'aucun mot traduire ce que l'on vit aujourd'hui. Apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Et le psaume 103, versets 15 et 16 nous dit « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Aujourd'hui, il est bien vrai qu'un fort est tombé, un héros a disparu. Et sa mémoire nous hante encore aujourd'hui pour nous rappeler qu'il a vécu parmi nous comme il nous a devancés. Et oui, Jean-Marie Gabriel ne fait que nous devancer. Les jours du célèbre se sont déclinés. Ces années se sont achevés comme un murmure. Jean-Marie est passé si vite qu'il nous donne l'impression que monsieur c'est tant qu'on est quitté qu'on nous volait, tant qu'on petit oiseau cap disparaître au caprice de nos yeux. Jean-Marie n'a pas eu le temps de nous dire au revoir. Jean-Marie n'a pas eu le temps d'écrire un dernier texte. Il écrivait si tellement bien. Jean-Marie n'a pas eu le temps aussi de faire une dernière blague à Matin Caraïbes ou avec quelques de ses amis proches. Jean-Marie n'a pas eu le temps de fouler une dernière planche. Il n'a pas eu le temps de faire son testament, ne serait-ce que pour léguer à ses fils son art. Il n'a pas eu le temps de dire laquelle des chansons devrait-on chanter à ses funérailles? Il a disparu.